Salut les amis et bienvenue sur la vidéo J'apprends un morceau avec guitare-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, le morceau de Jason Mraz, I'm Yours. On va commencer par voir les différents accords, les différentes rythmiques à faire et on verra les petits trucs en plus pour que ça sonne bien. Comme à chaque vidéo, on va avoir un petit logo pour les débutants, un logo pour les moyens et un logo pour les confirmés. Voilà, donc vous pouvez voir en fonction de votre niveau ce que vous pouvez faire et travailler ensuite. Et bien c'est parti pour les accords. Pour les accords, rien de bien compliqué pour ce morceau. On va avoir 4 accords de base qui vont dérouler durant tout le morceau, quasiment. Et il y a un moment, un petit break, où on va avoir 2 accords en plus. Donc les accords, on peut les faire en accord ouvert ou en barré. À vous de choisir. Ici, on va les voir en accord ouvert pour que les débutants comprennent bien les accords qu'on fait. Si vous connaissez ces mêmes accords en barré, je vous conseille de les faire en barré. Vous contrôlerez beaucoup mieux la rythmique. Alors, le premier accord qu'on va voir, c'est Do majeur. À faire comme ceci, le Sol majeur, le La mineur et le Fa majeur. Ça, c'est les 4 accords à faire tourner en boucle. Les 2 accords supplémentaires pour le petit break, c'est le Mi mineur et le Ré septième à faire comme ceci. Attention à ne pas gratter la première corde, la corde de Mi. Le choix des accords pour ce morceau a été fait de cette manière pour que ça soit plus facile à jouer. Il existe d'autres manières de jouer le morceau. Vous pouvez utiliser un capot pour décaler la tonalité, pour être dans la tonalité de votre voix. Bref, on peut le jouer de plein de manières différentes. Là, on va l'expliquer avec ces accords. Si vous trouvez une tablature qui a des accords différents qui vous plaît plus, n'hésitez pas à faire tourner cette tonalité là. Et ben voilà, maintenant qu'on a vu les accords, on vous laisse faire les barrés. On va voir la rythmique pour débutants. C'est parti. Pour la rythmique, on va commencer tranquillement. Cette rythmique est en contretemps, on va donc jouer le 2 et le 4. Ça va faire donc ceci. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. On va maintenant compliquer un petit peu les choses si vous arrivez à faire ça. On va mettre la basse sur le premier temps. Ce qui va faire, alors la basse, là on va prendre la corde de Mi, mais ensuite pour chaque accord, il va falloir définir la bonne basse. Ce qui va faire, basse, gratte, rien, gratte, 1, 2, 3, 4, basse, gratte, rien, gratte, 1, 2, 3, 4. Je vous invite à le faire en même temps que moi. N'oubliez pas de bouger sur le 3. Même si on ne gratte pas, on fait quand même le mouvement. Voilà, on va encore compliquer un petit peu la chose. Sur le 3, maintenant, on va frapper la guitare. Donc la frappe, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur de la guitare. Le point fermé, ce qui va donner basse, gratte, frappe, gratte, basse, gratte, frappe, gratte, basse, gratte, frappe, gratte, basse, gratte, frappe, gratte, basse, gratte, frappe, gratte. Et ben voilà, c'est la rythmique de base. Maintenant, on va voir comment le compliquer un petit peu. La rythmique plus compliquée, elle va être ternaire. Donc, contrairement au morceau qu'on a vu précédemment de Chaka Ponk, My Name Is Ten, qui était binaire, avec une rythmique assez proche, là, on va être en ternaire. On va donc compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette rythmique, on va passer de 4 maintenant à 12. Ce qui va faire si on fait la même chose, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous invite à le faire en même temps que moi et à compter à haute voix en même temps que moi. C'est super important de compter à haute voix. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vous invite à vous entraîner en comptant à haute voix. On va maintenant rajouter un coup. Ce coup va être sur le 9. Donc il va précéder le coup, le dernier coup de gratte qu'on a qui est le 10. On va faire tac tac. Le 9 est en remontant. Ce qui va faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pareil, entraînez-vous lentement pour être à l'aise, pour ensuite l'accélérer. On va finir par ajouter le tout dernier coup qui va être sur le 12. Ce qui va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'idéal est de le faire plus vite pour le morceau, parce que pour le morceau, on va être à cette vitesse-là. Voilà, donc on va être à cette vitesse-là. Donc travaillez lentement pour être à l'aise. Et ensuite, pouvoir faire cette rythmique. Petit truc en plus pour la rythmique, pour aider à jouer le 9, 10 et le 12, on va pas frapper avec cette partie-là de la guitare, on va frapper avec cette partie-là sous le pouce de la guitare et on va en profiter pour positionner déjà le médiator en dessous qui va permettre de remonter sur le 9. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on est déjà positionné pour faire le 9, ce qui est beaucoup plus facile. Voilà, et bien c'est parti, maintenant on fait ça avec les accords. Alors vous voyez ici la série des 4 accords à jouer, ça va quasiment être ça durant tout le morceau. On va faire deux fois la rythmique par accord, on va le faire lentement, la version simple pour commencer. La basse de l'accord de Do est sur l'accord de La. La basse de l'accord de Sol, de l'accord de Sol est sur l'accord de Mi. La base de l'accord de La est sur la corde de La. Et la base de l'accord de Fa est sur la corde de Mi. Voilà, donc maintenant que vous savez où sont placées les basses, et ben c'est parti pour jouer le morceau lentement. Ce qui va donner ceci. Avec deux fois par accord. Sol. On va passer au La mineur. Et au Fa. Voilà pour ensuite, bon bien sûr il faut travailler la continuité rythmique, il faut passer d'un accord à l'autre, il faut pas faire de blanc entre les accords et surtout il faut apprendre à passer du Fa au Do pour pouvoir faire cette phrase là en boucle plein de fois de suite. On va maintenant faire la rythmique plus compliquée pour voir ce que ça donne. Ce qui va donner ceci. Etc, etc. Et donc, à vitesse réelle, ça va faire ceci. Etc, etc. Voilà, donc on a vu la rythmique principale du morceau. Maintenant, on va voir les petits trucs en plus pour pouvoir bien faire ce morceau. C'est parti! Je vous invite, comme à chaque fois, à faire varier vos rythmiques durant les morceaux. De ne pas faire directement, si vous savez la faire, la version la plus compliquée, de la faire tout le morceau. Variez les rythmiques. Commencez par exemple par uniquement des contretemps, donc le 2 et le 4. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après de rajouter la basse et la frappe. Et après la version plus compliquée. Aussi, je vous invite aussi, vu que la rythmique est à faire deux fois, on peut tout à fait faire celle sans le petit 9 et le petit 12 pour le premier Do. Et la deuxième fois qu'on fait le Do, faire la rythmique avec le 9 et le 12. Voir que le 9
et de temps en temps 9 et 12, histoire de varier, donc de faire. Voilà, de pouvoir faire évoluer plus le morceau. Voilà, donc je vous invite à faire ça. Maintenant, on va voir un petit truc de percussion à faire en plus sur la guitare pour que ça rende super bien. C'est parti! Sur ce morceau, je vous invite quand il y a des blancs, donc du style à la fin d'un couplet, où on va faire Fa puis Sol, il y a un blanc avant de reprendre le refrain, de pouvoir tapoter sur la guitare. De pouvoir tapoter pour faire des percussions. Et donc, l'idée va être de faire le 9, 10, 11, 12 avec la main. Donc, 9, 10, 11, 12. Alors, on peut taper ici, on peut taper là, on peut taper ici. Je vous invite à ne pas être trop loin de la guitare pour pouvoir faire 9, 10, 11, 12. Donc, entraînez-vous à faire 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Pour pouvoir faire. Voilà, pour pouvoir faire des choses comme ça, on peut vraiment faire des choses compliquées. Amusez-vous à tapoter sur la guitare dès qu'il y a un blanc, même deux coups, hein, ça peut aller, ça fait très sympa. Voilà, ça peut être des choses comme ça, mais entraînez-vous à tapoter sur la guitare, on peut vraiment faire des choses très rigolotes comme ça, et ça permet de combler ce blanc et de réaliser un mouvement assez original sur la guitare. Et bien maintenant qu'on a vu à peu près tout, on va juste parler 2 minutes du petit break, et après la conclusion, le petit break. Ce petit break, c'est un enchaînement d'accords qui va être différent quand le chanteur Jason Mraz va uniquement faire une petite mélodie à la voix. Donc vous avez dans la tablature cette suite d'accords à faire. On va faire exactement la même rythmique. On va pouvoir aussi s'amuser pour tapoter comme ça, etc., etc. Je vous invite après ce break à faire une rythmique très simple pour justement aérer encore la musique et après recompliquer un petit peu. Donc quand on repart sur un refrain après ce fameux break, eh ben, n'hésitez pas à faire une rythmique plus simple. Et bien maintenant, la conclusion. La difficulté de ce morceau, c'est qu'il est en ternaire. On va donc avoir faire taka, taka. On va pas avoir un côté régulier du binaire, mais on va avoir un côté ternaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut réussir à choper. Je vous invite à faire pas mal d'exercices. Si vous avez vraiment du mal, dans les cours de guitare-facile.fr, on voit ça, donc n'hésitez surtout pas. Sinon, bah voilà, essayez de farfouiller sur Internet, travaillez votre ternaire, c'est très important pour la musique. Et ben voilà, si vous avez des questions, le Facebook et le Google+, de guitare-facile.fr, et ben maintenant, c'est à vous, travaillez bien.